lisons à présent le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est un livre de sagesse qui se retrouve dans cette partie de la Bible, juste après, dans notre Bible catholique, le livre des Psaumes. Alors, comme souvent dans la sagesse biblique, nous avons des petites sentences très universelles, finalement, qu'on peut retrouver dans des sagesses de Mésopotamie, d'Égypte ancienne, mais aussi des sagesses d'autres civilisations. Un proverbe connu, « Bien mal acquis ne profite jamais », eh bien, est formulé dans le livre des Proverbes. Et on voit que c'est très universel. Le terme proverbe vient du mot hébreu « machal », qui veut dire aussi « parabole », qui veut dire « énigme », »,« similitude ». La perspective, le but du livre des Proverbes était probablement pour l'éducation. L'éducation des jeunes, on voit qu'il y a des mises en garde. « Écoute, mon fils, la parole du sage ». Le vrai sage, c'est celui qui est capable d'apprendre, qui est capable d'écouter pour apprendre, pour acquérir un savoir-faire, acquérir une compétence. Un sage, ça pouvait être un artisan. Ceux qui ont construit le temple de Salomon étaient considérés comme des sages parce que par leur maîtrise des matériaux, ils avaient acquis un savoir-faire. Là, il y a beaucoup de choses, je dirais, qui concernent la vie quotidienne. Les 9 premiers chapitres montrent un petit peu pourquoi faut-il acquérir la sagesse. Quelle est finalement sa finalité? Et cette sagesse, elle est presque présentée comme une personne, elle est comme personnifiée. Une sagesse qui appelle sur les carrefours, qui invite. La sagesse à dresser une table, ça vient du livre des Proverbes, ce chant que l'on connaît, qui invite les hommes au festin, à partager le festin de la sagesse. La sagesse aussi qui s'oppose, c'est une figure féminine, la sagesse, qui s'oppose à la figure de la folie qui, elle, détourne. Et on voit que le jeune est appelé à choisir la voie de la sagesse et donc à discerner, à faire usage de son intelligence. Et puis, on retrouve, il y a 9 grands, ce qu'on appelle les livrets. C'est difficile de faire un plan, il n'y a pas comme dans une histoire, une intrigue, etc. Il y a toute une série de petites maximes que l'on peut retrouver. Alors, on parle du premier grand recueil salomonien, vous savez que Salomon était la figure de la sagesse biblique, celui qui a reçu un cœur qui écoute et une sagesse justement la plus grande. Et on lui attribue bien sûr ses proverbes. Au verset 10, au chapitre 10, au premier verset, on a un proverbe de Salomon. Et puis on a tout un grand recueil avec 376 machal, shalim si on veut respecter le pluriel de l'hébreu. Et voilà. Qui traite de pas mal de choses, avec des figures, avec le paresseux, avec toujours une forme de morale telle qu'on peut l'entendre. Le bien est récompensé, le mal est puni. Ça, c'est ce qu'on appelle la rétribution. Il y a une logique là-dedans. Et puis, on retrouve à la suite, à partir du chapitre 22, le verset 17, « Prêtez l'oreille, entend les paroles des sages ». Donc, un deuxième grand recueil qu'on appelle « Paroles des sages ». C'est encore une série de proverbes. Si on fait des séparations, c'est qu'il y a ces petits signes que l'on retrouve dans le texte qui permettent de discerner ici ou là, eh bien, un nouveau recueil, même si on retrouve des idées qu'on a eues auparavant, etc. Là encore, le plan est plutôt dicté par ces indices littéraires. On retrouve après, au chapitre 24, la quatrième partie, « Ceci est encore des sages ». Et puis, « Voici encore des proverbes de Salomon, qu'ont transcrit les gens d'Ézéchias, roi de Juda ». Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le travail sous Ézéchias, Ézéchias 716-687, ça veut dire que, peut-être qu'il y a eu un travail de recueil de ces proverbes, qui pouvaient être bien plus anciens, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, sous Ézéchias. Et puis, parole d'Agur, on ne sait pas qui est Agur, on n'en parle pas d'autre dans la Bible, peut-être une figure de sagesse. Au chapitre 30, une autre collection avec des proverbes dits numériques, avec premier, deuxième, troisième, etc. Il y a « j'ai entendu une chose, deux que j'ai entendu, etc. » Et puis, des paroles de Lémuel. Et enfin, une grande instruction, un poème qu'on appelle un poème alphabétique, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Alors, c'est l'alphabet hébreu, Aleph, Bet, Guimel, etc. Et c'était probablement une manière d'ailleurs de mémoriser
on savait, vous savez, c'est, la culture orale suppose de la mémorisation. D'ailleurs, la forme des proverbes est plus facile à mémoriser. Les proverbes sont composés en deux demi-versets qui se répondent un peu l'un l'autre. Et là, on a toute la fin, donc 22 versets, puisque c'est les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui chacune commence un verset, qui fait la portrait de ce qu'on appelle Eshet Ra'il. En hébreu, ça serait la femme de poigne, presque la femme virile, entre guillemets, celle en tout cas qui est la figure de la sagesse, qui organise la maison, qui est capable de prendre des décisions, de gouverner, etc. Et cette figure, c'est finalement, je dirais, celle de la sagesse encore un peu personnifiée. Et ces 22 lettres, tout est dit. Quand on a 22 lettres, quand on a l'ensemble de l'alphabet, on peut composer tous les mots. Donc, quand on a les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, on peut tout dire, tout écrire. Donc, c'est un petit peu une synthèse de tout ce livre. Donc, comme je vous l'ai dit, on parle assez peu de Dieu. Dieu dans la sagesse, ce n'est pas un Dieu de la révélation, du temple, le culte, etc., comme on a dans le Pentateuch, par exemple, mais un Dieu qui est un peu un garant d'un système, ce qui plaît à Dieu, ce qui lui déplaît. Voilà, Dieu est assez lointain, je dirais. Il y a cette logique de la récompense de ce qui est bien et de la punition de ce qui est mal. Et puis, un enseignement quand même, sous forme de petites sentences, qui sont plus des constats plutôt que des commandements, ne pas faire ci, faire ça, etc. C'est plutôt, si vous faites cela, il va vous arriver cela. Donc, à vous d'en tirer les conclusions. Il y a toujours une invitation à susciter une liberté, ce qui est le propre d'ailleurs des paraboles et qu'on le retrouve ici. Il y a des admonitions, c'est-à-dire des mises en garde éthiques. Attention, méfie-toi de telle chose et de telle chose. Et puis, je dirais des constats qui s'opposent dans une manière de faire et une manière de vivre. Voilà comment cette sagesse, elle naît aussi de l'observation, de l'expérience. Chaque fois que l'on fait ces choses-là, il arrive ces choses-là. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc, il y a cette démarche finalement qui dit, bien, si vous voulez éviter telle conséquence, essayez d'éviter telle cause. Il y a d'autres éléments importants, par exemple le fait de considérer le bon moment. Il y a un moment pour se taire, un moment pour parler, ça on le retrouve plus dans l'Ecclésiaste, mais dans le livre des Proverbes, on retrouve des proverbes qui peuvent sembler contradictoires. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont justes en leur temps, en leur moment. Là aussi, trouver le bon moment pour faire les choses, la bonne saison. Il y a une saison pour semer et une saison pour récolter. Le sage est celui qui sait tenir compte de ces rythmes de la nature, alors que le fou, lui, eh bien, veut en faire l'économie et ne fait pas finalement les choses au bon moment. Voilà comment on retrouve, eh bien, dans toute cette sagesse, finalement, un comportement social juste, un comportement juste vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, dans la vie, en société, et vis-à-vis de Dieu, qui est finalement celui qui assure l'intelligence de tout ça, qui permet tout cela. Donc, comment essayer de comprendre cet ordre du monde pour s'y conformer au juste, au mieux en tout cas. Bonne lecture.